Il y a quelque chose qui m'inquiète encore plus, Santiago. Ce papier que t'arrives pas à voir, il est passé par un notaire. Et le numéro est faux. Attends, je soupçonne un peu ce que tu veux me dire, mais bon, dis-le quand même. Eh bien, si Diego Montenegro avait ce document entre les mains, il pourrait réclamer dès demain Exportamex à son nom, avec la maison dans laquelle tu vis et tous les biens qui apparaissent dans l'acte, qui en plus est un faux. En d'autres mots, Diego Montenegro peut accuser mon père de fraude ? C'est exact. Et vous jetez toi à la rue et ton père en prison. Je suis sûr qu'il y a une explication à tout ça. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été certifié. Oui, ça c'est vraiment bizarre. Parce que légalement, ce papier n'a aucune valeur. Mais moi, ce qui me surprend sincèrement, Santiago, c'est que l'entreprise était au top de sa forme. Quelque chose m'inquiète, Luciano. Mon père a toujours dit qu'il avait repris l'entreprise en faillite. Mais les chiffres ne mentent pas. Parce que la situation financière était excellente. L'entreprise était vraiment au top de sa forme. Je vais devoir en parler à mon père. Je ne comprends pas pourquoi il nous a menti tout ce temps. Moi non plus, je comprends pas. Parce que toi qui le connais mieux que moi, pourquoi il aurait fait ça? Horacio, s'il te plaît, non, ne me regarde pas comme ça, tu me fais peur. Mais bon, Rebecca, dis-moi immédiatement, c'est quoi ton problème en ce moment, hein? Mais ça ne te suffit pas, tout ce qui nous arrive en ce moment? Le baptême de ces sales petits gamins, Sandra qui est devenue insupportable depuis qu'elle est enceinte, tout ça me rend nerveuse, moi. Est-ce que j'ai l'air d'un idiot? Mais c'est vrai. C'est vrai, moi je n'ai rien, non, je n'ai rien, mais c'est pour ça que je voudrais partir quelques jours d'ici. Je ne sais pas, pour me changer les idées, pour oublier tous ces problèmes. Oui, c'est ça. Oui, c'est oui. Vrai. Non, je veux dire oui. Oui, tu penses vraiment que j'ai l'air d'un idiot, n'est-ce pas? Tu penses que je suis un imbécile, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu dis ça? Tu crois que je vais te laisser partir comme ça sans rien dire? Pour que tu ailles faire je ne sais quoi? Avec je ne sais qui, vous retrouver je ne sais où? Mais tu me prends pour qui, hein? Moi, je n'ai pas d'amant, enfin. Tu me déçois. Tu n'es qu'une traînée. Comment tu as pu en arriver là? Mais regarde-toi. Mais tu n'as pas honte. Une femme de ta classe, et tu couches avec un... crève la faim. S'il te plaît, Horacio, non, ne dis pas ça parce que ce n'est pas vrai. Ton petit amant, là, il couche avec toi. Pour ton argent, rien que pour ton argent. Non! Mais tais-toi, ne dis rien! Tais-toi! Hé! Mais qu'est-ce qu'il passe ici? Louis! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Attends. T'as trucidé quelqu'un ou quoi, mon pote? Non, celui qu'on va trucider, c'est moi, il me court après! Pourquoi alors, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Le mari de Rebecca, mon pote, il nous a chopé à l'hôtel! C'est pas vrai! Bah ouais, quelqu'un nous a balancé, mon pote. Non, là, t'es dans la mouise, mec. Jusqu'au cou. Oui, c'est sûr, mais bon, tu sais quoi C'est pour ça que je venais me cacher ici quelques jours, hein. Le temps que ce type en ait marre de me chercher. Non, pas question, non. Tu sais, ici, c'est pas sûr pour toi, mon pote. Qu'est-ce que tu dis, Louis? Mais tu t'es caché ici depuis un moment et ils t'ont pas trouvé, ce que je sache. Ah ouais, mon pote, mais bon... Écoute, ce qu'il y a, c'est que je suis avec une fille. Bah et alors? Bah elle sera dans le coup, elle va pas être d'accord, écoute. Je préfère que tu partes ici. Mais bon, je me cacherai dans un carton, là, n'importe où. Qu'est-ce que non, tu me fais, allez, mon pote? Non, sérieusement, reste pas dans le coin, sauf plutôt ta peau, mon pote. Oh,
Yamina, tu ne dors pas? Tu veux que j'appelle un médecin pour qu'il te donne des calmants? Non, Carmen, je vais bien. Mais bon, c'était vraiment horrible. Mais bien sûr que c'était horrible. Moi, sincèrement, Yamina, tu sais, moi je pense que tu ne devrais pas te taire. Mais cette femme t'a poussée, elle a essayé de te tuer. Non, Carmen, elle a fait pour que je perde le bébé, pas pour me tuer. Cette femme a peur maintenant, Yamina. Elle a peur parce qu'elle sait que tu peux la dénoncer. Et une femme comme elle qui a peur, elle est très dangereuse. Mais si j'ai perdu le bébé, qu'est-ce qu'elle pourrait me faire de plus? Et Tony, il s'en fiche, alors bon, il n'y a plus de danger pour son fils, non? Mais bon, toi, tu es réellement un danger pour elle, écoute-moi. Parce qu'elle sait que tu peux la dénoncer. Et elle est capable de tout, elle ne va s'arrêter devant rien. Tu ne te rends pas compte, Yamina? Réfléchis bien. Réfléchis. Il faut qu'on fasse quelque chose. Dis-moi, Daniela, ça fait quoi d'avoir des enfants, hein? Ah, mais ça te change la vie. C'est comme une lumière qui entre dans ton cœur. Je peux te dire quelque chose, le prends pas mal. Quand tu es avec eux, moi, je me sens toute seule. Comment, mais... Paulina, tu as ta mère. Mais oui, mais c'est pas pareil. Et c'est parce que tu te sens seule que tu seras avec Louis? C'est que tu n'as pas besoin d'être avec Louis, Paulina. Toi, tu mérites un type bien, quelqu'un de mieux. C'est quelqu'un de bien. Il m'a sauvée quand Hugo et ses copains m'ont maltraité. Il me répète tout le temps que je suis jolie. Oui, mais... Écoute, de toute façon, ne lui fais pas trop confiance, hein. Il peut te faire du mal. Non, pas moi. Paulina, nous, comme toutes les femmes, on mérite d'être bien traitées, hein. S'il te plaît, n'oublie pas ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah, je vais regarder mon Facebook. Facebook.com. Ah, oh, mais quel élan, quelle horreur! Qu'est-ce que je fais? Alors? Tais-toi, je te dis. Et toi, va-t'en d'ici, ça ne te regarde pas. Bien sûr que ça me regarde, papa. Et lâche-la. Lâche-moi. Pourquoi tu ne dis pas à ton fils ce qui se passe à Ratio? Mais dis-lui. Quoi? Dis-lui que tu voulais me tuer, ah, mais tu penses que je voulais te tuer, mais bon, n'exagère pas. Je te serrais juste le bras. Pourquoi est-ce que tu l'as traité de traîner? Ah, et bien, pose-lui la question. Demande-lui aussi où elle va quand elle est supposée aller au salon de beauté. Hein? Mais j'y crois pas, papa. Quoi? C'est incroyable, mais de quel droit tu oses reprocher quoi que ce soit à maman? Tony! Pourquoi tu ne commences pas par lui dire qui tu vas retrouver toi à l'hôtel Parisot? Hein? Lâche-moi, Tony, lâche-moi! Je le savais! Je savais que tu avais une maîtresse, mais lâche-moi! Calme-toi, maman! Tu es vraiment minable! Tu oses me crier dessus! Alors que c'est toi qui couches par derrière avec je ne sais pas combien de femmes et de... Je t'ai déjà dit de te taire! Tais-toi! Calme-toi, maman! Et depuis quand? Depuis quand est-ce que tu me trompes? Il y a combien d'années? Que tu couches avec une autre, dis-moi combien. Arrête de dire n'importe quoi, enfin. Ce n'est pas n'importe quoi, mais laisse-moi te dire. Calme-toi, maman, là, calme-toi. Allez, assieds-toi. Depuis quand? Depuis quand tu me trompes, Horatio? Dis-moi. Dis-le-moi. Dis-le-moi, j'ai besoin de le savoir. Non, je le savais, je le savais.
Anthony, on va parler. On va parler. Je t'aime, Tony. C'est vraiment chouette comment les gens de ce quartier se soutiennent et s'entraident. La majorité des gens que je connais ne font pas ça. On dirait qu'ils vivent leur vie en ne pensant qu'à eux, sans voir les autres. Ils sont très égoïstes. Mais c'est bien triste. Tu vas sortir ? Oui. Je vais voir pour un boulot. À cette heure-ci ? Oui. Oui, tu sais, ils m'ont pas payé. J'ai besoin de trouver un boulot et il n'y a que maintenant que mes amis peuvent y aller. Ah bon ? Mais tu vas rentrer très tard ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ne m'attends pas debout. Ok. Reviens vite. À plus tard. Rentre vite, d'accord ? Si ce que tu dis est vrai, je comprends beaucoup de choses sur papa. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça expliquerait parfaitement la peur qu'il avait que Diego Montenegro sorte de prison. Tony l'a entendu. Mais oui, parce qu'il sait qu'il peut lui reprendre l'entreprise. Et puis en plus, il n'y a rien qui indique légalement que ton père soit l'unique propriétaire. La présence de Diego a toujours été un grand mystère dans ma famille. Je me souviens clairement des disputes qu'il y avait avec mon père au sujet de sa femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé, hein? Ils étaient amis avant, non? Oui. Jusqu'à ce qu'ils soient condamnés. Écoute, Santiago, bon, ne nous avançons pas trop. Parce que je suis certain que ton père a une explication à tout ça. Il ne faut pas oublier que Diego Montenegro a été condamné. Et un type qui est capable d'assassiner sa propre femme, j'imagine qu'il est capable de faire n'importe quoi. Daniela. Mon amour. Ma chérie. Mon amour, non. Non. Mais comme la vie a changé, Daniela. Daniela. Tu penses encore à elle, n'est-ce pas? Tu es toujours amoureux d'elle? L'amour que je ressens pour Daniela, je vais l'avoir pour toujours en moi. Maintenant, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est de lui trouver un endroit dans le fond de mon cœur. Mais tu souffres toujours de son absence, n'est-ce pas? Non. Je souffre de l'avoir laissé tomber. Et puis je me sens tellement impuissant. Mais bon, Diego, laisser tomber dans quel sens? Tu lui as tout donné? Non. Je n'ai pas pu coincer l'homme qui l'a tué. Mais tu es sûr que c'est cet homme qui a tué ta femme? Je sais que c'était Horacio. Je le sens ici dans mon cœur. Mais Diego, ça, ce n'est pas suffisant devant un juge. Et tu le sais bien. Si au moins il existait une seule preuve pour pouvoir accuser Horacio. Oh, je vais voir combien il me donne pour cette bagnole. Oh, bah. Bah alors, maman? Hein? Donne-moi à manger, non? Et d'où est-ce que je vais l'inventer, hein? Oh. Bah voilà, maman, on savait fait ce qu'il fallait avec Madame Rebecca. On aurait plein de fric pour manger, hein? Et plein d'autres choses.
Mais tu crois que c'est facile de s'approcher de ces gens-là? Ils sont toujours avec leurs chauffeurs, leurs potes, qui leur tournent autour comme des mouches. Elle n'est pas une seule minute toute seule. Non, encore moins maintenant, maman. Ça marche encore. Que son mari s'est rendu compte qu'il était cocu, hein? Mais c'est vrai. Et comment tu le sais? Eh ben, j'ai appris il y a un peu de temps que Monsieur Horatio s'est rendu compte que le Patrick lui avait planté des cordes, maman. Qu'est-ce que t'en dis de ça, hein? Elle est pas mal, celle-là, dis donc, hein? Ouais, maman, pas mal du tout. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre raconte? Je sais pas, maman. Pourquoi tu ne cherches pas plutôt... Pourquoi tu ne cherches pas ce qu'on peut vendre pour trouver de l'argent pour... De l'argent pour manger? Alors donc, tu veux que je continue à enquêter sur tout ça? Oui, je veux que tu arrives au fond de cette histoire. Je suis dans l'entreprise et je ne peux pas continuer sans savoir ce qui s'y passe. Bon, très bien. Bon, on y va? Eh bien, nous... J'arrive, on doit encore régler quelques papiers. Et on y va. On n'était pas supposé être tout seul dans les bureaux? Non, mais... Si, c'est exact, nous sommes tout seuls. Non, parce que je viens de voir quelqu'un d'autre dans le couloir. Non, c'est impossible, il n'y a personne dans les bureaux à cette heure-ci. Non, mais je l'ai vu. C'est sans doute quelqu'un de l'entretien. C'est vrai, je l'ai vu, je ne sais pas qui c'était. S'il y a quelqu'un! Bon, ne vous inquiétez pas, si vous voulez, je vais aller voir ce qui se passe. Merci. Mais je ne crois pas, parce que le gardien m'aurait arrêté tout de suite. On rentre à la maison. En sortant, je vais vérifier. Faire vérifier l'immeuble. Non, oui, vérifie s'il te plaît, il y a quelqu'un. Calme-toi, il n'y a personne. Je peux aller voir, hein, il n'y a pas de problème. Non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas la peine. Ici, il n'y a personne. Ce qui se passe, c'est que Sandra est très fatiguée. Allons-y. Très bien. Ciao. Plus! Ouais, maman, mais en plus. Oui. Viens par là, j'ai moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Viens par là. Mais lâche-le. Mais ça va pas. Mais lâche-le. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais pourquoi ils font ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais arrêtez-y. Oui, c'est vas-y. Tu veux quoi, Paulina? Allez-y. Mais séparez-les peut-être. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, faites quelque chose. Allez, vas-y. S'il vous plaît, qu'il me... Je te souviens bien. Enfin, laisse-moi, Lina, tranquille. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais quoi? Je comprends pas ton problème, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? Tu fais du mal à Paulina, imbécile. Mais j'ai rien fait. Et moi, je vais mais la défendre. J'ai rien fait, mon pote. Tu vas voir. Et l'un de elle, parce que tu vas me payer, imbécile. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais viens voir ici. Arrêtez-les. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est lui. Allez, vas-y, il faut arrêter. Faites quelque chose. Allez-y. Quelque chose. Allez. Lâche-le enfin. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est lui. Allez, vas-y. Il y a de la chance, tu ne fais rien cette fois-ci. Allez-y. S'il vous plaît. Espèce de salade. Allez, on y va. Allez, reste pas planté là. Il y a le jeu de jambes, allez. Allez, le gars, plus de force, allez. Sors d'ici. Reste pas dans le coin. Bouge. Allez, bouge plus. On dirait que t'as envie de perdre tout de suite, là, allez. Très bien. Bonsoir, monsieur. Très bien. Allez, continue, allez. Dites, on m'a dit que ici, je pouvais demander un boulot. Et de quel boulot est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu sais faire? N'importe quoi. Écoutez, je peux vous aider à repeindre les murs. Mais bon, continue. À balayer, nettoyer les toilettes, les vestiaires, n'importe quoi. Oui, c'est ça. C'est Yvan qui m'envoie. Allez. Mais t'as vraiment besoin d'argent, hein? Sors de là, sors de ce coin. Oui, j'ai vraiment besoin d'argent. Bon alors, il y a du boulot? Mais frappe-le, allez. Écoute, bon, j'ai peut-être quelque chose pour toi, mais je ne sais pas si ça va vraiment te plaire. Je ne peux pas faire mon difficile, dites-moi. Manzana? Oui? Apporte des gants et des protecteurs à ce gamin, s'il te plaît. Ok. Allez, bouge plus. Éloigne-toi de sa droite. Mais bon, je ne sais pas boxer. Et qui t'a dit que tu allais boxer? Tu vas juste être un sparring. Oui, vas-y, c'est ça, c'est ça. C'est quoi, sparring? Mais bouge, allez, bouge. Plus de jeu de jambes. Monsieur.
Il fait quoi, le sparring? Tu vas juste aider mes gars à s'entraîner. Tu te laisses faire, ils vont te frapper un peu, et toi, tu résistes, et voilà, c'est tout. Ok? Hein? Eh, les gars, temps mort, temps mort, temps mort. Où je le mets? Oui. Bon, écoute, le gamin, il dit que t'es un sac à patates, qu'apparemment, tu es vraiment nul. Ah bon? Eh ben, monte pour voir. Si tu résistes un round, le boulot est à toi. Salut, comment ça va? Salut. Je voudrais voir le gérant ou le responsable. Le responsable? Bon, mais pourquoi faire? Je viens chercher du travail. Ah bon, c'est vrai? Mais arrête-toi. T'as déjà travaillé d'avant dans un cabaret? Ah, mais c'est une blague. Non, je suis sérieuse. Non, bah non. Mais bon, mais attends. Qu'est-ce que tu voudrais faire, alors? Bon, je peux servir, je peux apprendre à faire des cocktails derrière le bar ou... Non. Je crois que tu t'es sûrement trompée d'endroit, ma petite. Parce que regarde un peu. Quoi, tu vois pas autour de toi? Mais regarde-toi dans la glace et regarde-moi. Mais non, ici tu fais un potage d'huile. Alors, ma jolie, bah, ce sera pour la prochaine fois. Allez, passe une bonne soirée. Une seconde. Qu'est-ce que tu dis là, Luna? Du calme, hein? Il n'y a pas le feu. Qu'est-ce qu'elle veut, la petite princesse? Enchantée, Karine. Je viens chercher du travail. Ah, du travail. Oui, j'ai travaillé comme serveuse avant. J'ai un ami qui a un bar, un restaurant. Et puis, je l'aide parfois pendant l'été. Ça veut dire alors que tu as d'expérience? Eh bien oui, un petit peu. Très bien, bon. Ce n'est pas la peine d'en dire plus. Tu peux commencer quand? Mais dès demain, si vous voulez. Dès demain? Eddie, ton visage ne m'est pas inconnu. On s'est pas déjà vu? C'est possible parce que je suis déjà venue danser ici avec mon copain. Tu es ici avec ton copain? Oui. Bon, bah alors c'est d'accord. Viens demain soir. Tu vas voir Luna et tu lui expliques bien comment ça fonctionne ici, s'il te plaît. Très bien, d'alors. Merci beaucoup. À demain. Enchanté. Soir. Enchanté. Merci. À demain. Merci. Salut, Babel. Alors, demain. Non, c'est pas une bonne idée. Ah, Luna. Pourquoi? Mais enfin, Jérémy, pourquoi tu lui as dit que tu allais l'engager? Mais t'es fou! Mais bon, mais t'as bien vu cette gamine, mais on voit tout de suite sur sa tête là que c'est une coincée, non? Bon, ça oui, elle a l'air un peu coincée comme ça, elle s'y croit un peu, non? Mais alors pourquoi tu lui as dit que tu allais l'engager? Ah, Luna, ma chérie, mais tu imagines la clientèle que va attirer une gamine comme ça dans le club? Mais imagine, avec ses airs de petite fille riche et tout ça! Ma jolie, il faut voir un peu plus loin que le bout de ton nez et penser au business. Faut réfléchir, mais Luna. Tu penses vraiment que... Je sais qu'il faut que j'oublie tous ces sentiments de rancœur, mais je ne peux pas. Mais c'est ça qui t'empêche d'être heureux, Diego. Tu ne te rends pas compte? La seule chose que je veux, c'est que l'assassin de ma femme paye pour ce qu'il a fait. Et tant que ce cercle ne sera pas bouclé, je ne serai pas tranquille. Tu sais quoi? Ça m'inquiète vraiment que tu vives avec autant de haine. Ce n'est pas bon. Pourquoi tu n'acceptes pas de te concentrer plutôt sur les belles choses de ta vie? Daniela, tes petits-fils, ta maison... Horacio est un assassin. Il ne peut pas être en liberté. Bon, d'accord, Diego. Va trouver ses preuves et démontre ton innocence. Je comprends que ce soit très important pour toi. Mais souviens-toi que la vie a beaucoup de belles choses aussi, hein? Et pas seulement ce que tu as dans la tête. Je sais. Et il me suffit simplement de te regarder dans les yeux pour m'en rendre compte. Ça. Ça te gêne que je te dise ça? Non. Non, ça ne me gêne pas. Carmen. C'est que ça faisait longtemps qu'un homme... Ne me parlez pas comme ça, Diego. Tu sais que tu es une très belle femme. Ah oui? Et je vais te dire quelque chose. Il me suffisait de penser à ton sourire, à tes yeux, ou de penser à ton âme si pure,
Vous me consolez dans les pires moments de tourment. Tu penses à moi quand nous ne sommes pas ensemble? Continuellement. Moi aussi, je pense beaucoup à toi. Tony, il faut que tu me dises qui est la maîtresse de ton père, s'il te plaît. Anthony, dis-le-moi. Maman, s'il te plaît, pas maintenant. Mon chéri, il faut que je le sache et tant pis si ça me fait mal. Je t'en supplie. Dis-le-moi, hein. Dis-le-moi, mon amour. Monsieur Diego? Monsieur Diego? Daniela, mais qu'est-ce que tu fais? Bah rien, rien, rien. Rien? Comment ça, rien? Non, oui, enfin rien. Mais tu fouillais dans les papiers de Monsieur Diego. Ah. Et c'est une conduite intolérable pour une jeune fille de ton rang. Non, non, moi je n'étais pas en train de fouiller. Hein. Non? Non. Et ça, c'est quoi? Bah en fait, j'étais un peu curieuse. Curieuse? La curiosité, ce n'est pas bon, hein. Et encore moins quand tu te mets à fouiller dans les papiers de ton bienfaiteur. Mais ça, c'est abominable. À quoi? Abominable. Oui, ça ne se fait pas. C'est un homme qui t'a tout donné. Non, mais c'est que je venais juste pour voir. Monsieur Diego, je ne venais pas fouiller comme ça. C'est pour de vrai, hein. Ne ah voulez oui. pas penser ça de moi, hein. Mais dis, mais alors comme tu ne me voyais pas, bien sûr, tu as décidé d'entrer ici pour espionner. Dis donc, ma copine, tu la traites pas comme ça, hein? Et toi qui te crois la patronne, hein, ou quoi? Non, la patronne, c'est elle, pas toi. Le patron, c'est Monsieur Diego Montenegro. Cette demoiselle, c'est sa protégée. Mais quelle fille de mes... Elle va voir, non, 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 Pauline, non, mais Pauline, t'as entendu ce qu'elle t'a dit? C'est bon, calme-toi. Je vais me la faire. C'est bon, ça va, non, non. Ne tiens pas, hein. Mais calme-toi. Vieille sorcière. Pauline. Tony, mais où tu vas? Dis-moi, s'il te plaît, dis-le-moi, Tony. Maman, s'il te plaît, pas maintenant. Je ne sais rien, je n'ai rien vu. Ne me demande pas. Je t'ai entendu, ne sois pas stupide. Ton père voit régulièrement sa maîtresse à l'hôtel Paraiso. J'ai entendu. Mais je le savais. J'en étais sûre et l'autre fois que j'y suis allée, bien sûr, j'avais raison. Il y était avec sa maîtresse. Ah, maman, tu n'avais pas raison. Quand tu l'as vu, il allait voir pour le mariage de Santiago et Sandra. Oui, 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 c'est vrai. Mais alors, pourquoi tu as dit ça? Qui va voir ton père à l'hôtel? Dis-le-moi. Dis-moi qui va le voir. Maman, oublie ça, je dis beaucoup de bêtises, tu sais bien. Dis-moi plutôt pourquoi papa t'insultait et te traitait de traînée. Quel motif il avait pour te dire ça, hein? Qu'est-ce que tu vas réellement faire quand tu vas au salon de beauté? Ne change pas de thème, s'il te plaît. Ton père a une crise de jalousie due à l'âge, mais toi, tu as dit qu'il me trompait. Tu l'as dit, je t'ai entendu. Bon, maman, bon, mais ça va, s'il te plaît, pas maintenant, arrête. Moi, j'y vais. Anthony! Non, Anthony, non, maman, laisse-moi tranquille. Dis-le-moi. Anthony, je le savais. Mais je savais qu'il avait une maudite poule avec qui il couchait. Non. Pourquoi, Horacio, pourquoi? Je t'aime. Ah, mon amour, change un peu cette tête. Toi et moi, on se connaît bien. Rebecca, tu ne l'aimes pas. Alors, qu'est-ce que ça peut te faire si elle a un amant, mon amour? C'est ma femme, enfin. Ah, d'accord. Mais alors, c'est juste l'orgueil d'un mal blessé.
Appelle-le comme tu voudras. Ce que je peux te dire, c'est que cet imbécile va regretter d'être né, tu vas voir. Horatio. Ouais. Tu peux me répondre à une petite question? Bien sûr, laquelle? Si j'étais infidèle comme Rebecca, qu'est-ce que tu ferais, hein? Non, toi, tu ne me tromperais pas, enfin, qu'est-ce que tu dis? Et pourquoi en es-tu aussi sûr? Parce que dans le fond, ta femme, c'est Rebecca, non? Tu es jalouse? Non, simplement, j'aimerais savoir quelle est ma place, parce que si elle, c'est ta femme, eh bien, moi, je suis quoi? Ah, mais là, je ne crois pas que ça soit le moment, hein, mais bon... Rebecca, elle, je ne l'aime pas. Et moi, si? Bien sûr, je suis ici, non? Mais oui. Dans mon salon, dans mon bar, dans mon lit, dans mes toilettes, dans la cuisine, de temps en temps. Mais je veux dire, tu divorcerais avec Rebecca, pourquoi? Mais tu aimerais que notre relation se sache? Que tout le monde sache qu'on est ensemble depuis des années? Que tu es la maîtresse d'Horacio Rodriguez, c'est ça que tu veux? Parce que quand tu veux, on rend ça public, hein. Moi, je n'ai rien à perdre. Mon amour, tu n'as vraiment aucun sens de l'humour. C'était juste une supposition. Tu sais ce qui me dérange le plus? Que mes fils se mêlent de mes affaires. Et ça, sincèrement, je ne le supporte pas. Santé. C'est pas vrai, Sandra. Tu ne peux pas me laisser tranquille. Tu ne vois pas tous les problèmes que j'ai. Quel problème, mon amour? Écoute, si vraiment tu pensais à moi comme ce que je suis, comme ta femme, tu pourrais te confier à moi, me raconter, te relaxer. Viens, raconte-moi. Quel problème tu as eu au bureau, mon amour, hein, dis-moi. Non, Sandra. Mon unique problème, c'est toi. Oui, je sais. Tu dois prendre soin de moi à cause du bébé et pour le reste, non. Non. Ça, c'est ton problème. Ton maudit chantage et j'en ai ras-le-bol. Ce n'est pas bien que tu me parles comme ça. Et à ton fils non plus, hein? Non plus. Je vais être un père responsable pour cet enfant. Mais c'est tout. Je te jure que je ne te supporte plus. Eh bien, le docteur a dit que tu devrais prendre soin de moi et me protéger, oui. Tu te souviens? Très bien, je te protège, mais ne me demande pas de te faire l'amour. Parce que je ne vais pas le faire. Tu n'es pas ma femme et tu ne le seras jamais. Alors arrête ton petit numéro. Ah bon, mais il pourrait arriver quelque chose que tu pourrais regretter toute ta vie. Ah oui? Tu ne vas pas échapper à ton destin. Il faut attaquer les mauvaises herbes par la racine. Et moi, je vais me charger de faire disparaître cette maudite Daniela de ta vie. Je peux encore me trouver des alliés. Et quand tu t'y attendras le moins... Mon amour, je vais aller voir ma mère, hein? Je reviens vite. Mais bon, Carmen, explique-moi pourquoi tu ne veux pas aller dîner avec moi. Écoute, je préfère me reposer et rester à la maison pour ranger un peu. Carmen, moi, je crois que c'est un prétexte. Un prétexte? Mais pourquoi? Ça ne t'a pas plu que je t'embrasse? Non. Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas quoi penser. Parce que il y a un moment, on parlait encore de ta femme. Enfin, c'est évident que tu fais une obsession sur elle, Diego. Non. Non, une minute. Je ne suis pas obsédé par Daniela. Je suis déterminé pour que son assassin paye pour son crime. Je suis déterminé à ce qu'Horatio paye pour tout ce qu'il nous a fait. Ça te paraît juste que j'ai enfin retrouvé ma fille et que je ne puisse toujours pas lui dire que je suis son père? Tu as raison. Ce n'est pas juste. Je suis désolée que la vie ait été aussi injuste envers toi. Tu ne crois pas que... je mérite que quelqu'un me comprenne? Tu ne penses pas que c'est juste que je trouve quelqu'un qui... qui puisse me donner tout cet amour que... je n'ai pas eu pendant 20 ans. Et quelqu'un à qui je puisse donner toute cette tendresse que j'ai en moi. Mais c'est que... tu sais, moi aussi j'ai été très seule et sans amour pendant de nombreuses années. Et je ne sais pas si je suis prête pour une relation. Eh bien, j'aimerais y réfléchir un peu. Bon, très bien. Excuse-moi d'avoir insisté. Mais de toute façon, tu vas emmener Michaela demain voir le spécialiste, n'est-ce pas? C'est très important pour moi. Mais bien sûr, demain je passe la chercher, je te le promets. Merci. Ah,
Pardon. Tu as besoin d'un peu de temps, n'est-ce pas? De beaucoup plus de temps. Beaucoup. Bon, on lève la balle et... Oh, Non, oh, pardon. Oh, excuse-moi, oui, ça va? Ça va, ne t'inquiète pas. Ça va? Oh, non, mon Dieu, je suis désolée. C'est ma faute parce que j'aurais dû me reculer un peu parce que... Toi? J'arrive. Bonsoir. Sandra? Pardonne-moi de venir comme ça, mais j'ai trouvé ta carte dans le bureau de Santiago et... Je sais que ce n'est pas bien, mais... Mais je ne sais pas vers qui aller. Je te le jure. Non, c'est vrai, je te jure, je ne sais pas qui aller voir. Tu vas bien? C'est que cette vieille fou Mouise n'avait aucun droit de te parler comme elle l'a fait, hein? Tu devrais tout raconter à Monsieur Diego. Non, Pauline. Alexis a raison. Parce que je suis un peu comme la protégée de Monsieur Diego, ou comment tu voudras l'appeler. Il n'y a rien entre lui et moi, comme tout le monde le pense. Mais aucune des personnes qui t'aiment ne pense ça, hein? Mais oui, mais je ne suis rien par rapport à lui, et il me donne tout sans rien me demander, ni rien exiger en échange. Mais parce que ce Diego, c'est quelqu'un de très bien. Mais il paye aussi l'université Augustin, et il lui a donné du boulot. Non? Et il aide aussi en même temps Madame Carmen dans son magasin et tout ça. Il va aussi payer les frais d'hôpital de maman. Ou alors elle aussi c'est sa maîtresse, ou moi, ou qui? Non, mais non. Mais de toute façon, je vais travailler pour lui, pour lui rendre tout ce qu'il a dépensé pour moi, pour mes filles, pour ma marraine. Et comment est-ce que tu comptes faire, hein? Parce qu'en vendant des journaux, ni en 1000 ans, tu vas le rembourser. Eh bien, je lui ai déjà dit que je voulais être sa secrétaire ou sa réceptionniste, et je crois que je vais lui redire. Et qu'il ne me paye pas, qu'il prenne de là ce que je lui dois. Si j'étais toi, je dirais rien. Je crois que Monsieur Diego t'aime, et bien comme s'il était ton père. Tu ne vois pas qu'il est très seul. Et s'il veut t'acheter plein de jolies choses, mais laisse-le dépenser son argent comme il en a envie, non? Parce que tu dis pas que le plus important pour toi, c'est tes fils? Ben maintenant, tes fils ont une super situation, pourquoi tu t'inquiètes? Je sais, mais bon... Paulina, ce n'est pas bien de profiter comme ça des gens bien. Et en plus, il y a des choses que... Eh bien, que je n'aime pas chez Diego. Mais comme quoi? Je ne sais pas, il y a beaucoup de secrets. Dans la bibliothèque, il garde des journaux comme ça découpés, tout vieux, tout jaunis. Et il ne me laisse jamais les voir. Et c'est ça que t'allais voir quand l'Alexis t'a chopé? Oui. Et en plus, il y a autre chose. Un jour, Santiago est venu et il lui a dit que c'était un assassin. Oh, mon Dieu! Et tu lui as rien demandé? Ben si. Il m'a demandé si je lui faisais confiance et... Ben moi, j'ai dit que oui. Mais toi, tu es son ami, et tu peux le convaincre que cette femme ne l'aime pas. Non, je ne veux pas d'eau. Que c'est une arriviste et que la seule chose qu'elle veut, c'est son argent. Moi, je ne connais pas cette femme, Sandra. Il ne t'a jamais parlé d'elle? Eh bien, si, il m'en a parlé. Ah, tu vois? Mais alors, il ne peut pas l'oublier, alors qu'il sait que ses enfants ne sont même pas de lui. Imagine, quand on est arrivé des États-Unis, cette femme, eh bien, elle allait se marier avec un autre homme. Sandra, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? Je veux que tu lui parles. Que tu lui dises que cette femme ne l'aime pas et qu'elle ne va jamais l'aimer. Il t'apprécie beaucoup. Et je crois que tu peux le convaincre. Tu vas pouvoir le faire changer d'avis, hein? Sandra, je ne peux pas et je ne dois pas me mêler de vos affaires. Alors bon, excuse-moi. Attends, tu commets une grave erreur. La vie de Santiago et la vie de mon fils dépendent de toi. Et si tu ne veux pas leur sauver la vie, je te jure que tu vas le regretter. Lâche-moi. Merci. Hein? Hey. Merci, tu es un super ami. Un ami merveilleux, enlève-toi. Oui, un ami merveilleux. Ça va te retomber dessus. Qu'est-ce qu'elle a cette femme?
folle. Comment ça va, mon amour? Bien. Tu vas bien? Oui, ce qu'il y a, c'est que je suis tombé dans l'escalier. Ah, mais mon pote! Il faut que j'appelle ma bonne femme, mais bon, je sais pas si je dois l'appeler de mon portable. Ou celui que m'a donné le russe. Ouais. Mais oui. Je l'appelle du mien, non, Louis? Allez. Espèce de vaurien. Mais comment oses-tu appeler ma femme sur son portable? Imbécile, pourriture, sale petit vaurien. Vous tous, vous n'êtes que des vauriens. Comment osez-vous? Essayez d'entrer dans mon monde. Dans mon monde! Qui m'a coûté tellement d'efforts à construire. Et ma famille? Regarde ce que je leur ai donné. J'ai tué l'amour de ma vie. Pourquoi faire pour qu'ils vivent comme des rois? Et c'est comme ça qu'ils me remercient. Ce n'est pas ce que je méritais. J'ai trouvé un boulot, mais je ne travaille que le soir. Ah ben tant mieux. Moi aussi j'ai trouvé un boulot. Dans un restaurant au service du soir. Le pain et le jambon, on va les garder pour le petit-déj de demain. Je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire, Santiago. C'est très simple, papa. Je voulais juste une explication. Hier soir, Luciano a trouvé un document très important. Oui, où Diego Montenegro te cède son entreprise, cette maison et tout ce qu'il possédait. Et bon, ce document n'est pas légal. Parce que le numéro du registre est faux. Non, non, ne fais pas cette tête, parce que je ne crois pas que tu aies beaucoup à réfléchir. Réponds-moi. Je veux savoir si tu as escroqué Diego Montenegro, oui ou non. Réponds-moi.